sur le ring des mâles. Hollywood Black, écartez la mer s'il vous plaît, elle a l'air assez fougueuse, mais sinon on va marcher un peu rapidement, c'est pas grave. Un fils de Fuissé, Fuissé qui a fait une seule et unique saison de monte, pas trop loin, et la seule et unique saison de monte dans la région, c'est-à-dire au Roi de Cercy, avant de repartir au Roi du Canet. La mère Saratoga et les paroles partagées de Comité, je vous rappelle qu'il s'agit du 94 jaune de page. La mère, elle est par Anna Babou, elle s'appelle Belle Sauvage, une origine de plat où on trouve Tropo Bello. La mère, elle est sœur de Miss Carmi par Excellent Art, Overbold. Voilà, on va marcher. Donc, je vous rappelle, un Fuissé ici, dans les mâles, c'est, il est né le 24 février, la mère, c'est Belle Sauvage. En ce qui concerne et après, on trotte. La femelle ici, il s'agit du numéro 72, elle nous est présentée, proposée par le gars avec Delorme, on va marcher. Il s'agit de Havane Collonge, une fille de Costalpa, c'est Tamis Collonge, par dont elle peut. On retrouve le pédigré le plus célèbre des Delorme sur la branche. On trotte à présent. Marianne Collonge. Donc on a Nénuphar Collonge gagnant le groupe 1. Alors pourquoi deux branches? Parce qu'on a l'autre branche qu'on verra peut-être un petit peu plus tard, qu'on a vu ce matin, celle où on retrouve Neptune Collonge, l'équipe gagnant le groupe 1 et lauréat du Grand National Liverpool. Mais là, concentrons-nous sur la souche de Nénuphar Collonge. La mère Tamis Collonge gagnante en plat, passée en obstacle, et nous présente ici son deuxième produit, donc par Costalpa, sachant que le premier est une femelle de Néroi. La grand-mère, avant de devenir la mère de Nénuphar Collonge, Diane Collonge,